Bon, l'équipe, aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo. Nous serons pas du match OM-Lorient qui termine sur le score de 4-1. Donc, c'est une très belle victoire de nos Olympiens. Donc, il fallait gagner ce soir, hier soir. Il fallait gagner pour les boss et pour la troisième place au classement. Donc, ça c'est très bien parce qu'avant le Classico, on gagne. Ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose contre Paris. Mais après là c'était que Lorient, mais c'était pas facile contre Lorient. Ils défendaient bien, ils avaient une bonne défense. C'était pas facile. Ils étaient bien regroupés et tout, donc c'était pas facile. Donc c'était une lourde victoire, 4-1. Ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas de gros scores comme ça. Bah là on l'a fait. Donc on commence mal le match avec Camara, c'est le fautif. Il avait qu'à donner son ballon, là il a voulu tribler les deux joueurs l'orienter. Et ça paye et loin de Pérez qui fait la faute sur Diarra. J'aime beaucoup le jeune joueur là, Diarra de Lorient. Il est speed, il est très bon. Il est très très bon ce joueur, j'ai beaucoup de merde cette rencontre, je sais pas s'il est bon d'habitude, mais enfin bref. Ça commence mal, justement, donc Pérez qui fait une faute sur Diarra dans la surface, donc ça fait un penalty pour Lorient. L'orienté pour le tirer, l'orienté face à Paul Lopez et l'orienté qui vient mettre au fond. Ça fait 1-0 à ce moment-là. Donc c'est dommage parce qu'on commençait plutôt bien ce match, mais malheureusement ça paye avec ce penalty transformé par l'orienté. Donc à ce moment là on n'était pas bien parce que ça nous a rappelé le match contre Lens, ça a commencé pareil, mais sauf que cette fois Lorient a marqué qu'un seul but, Lens on en avait encaissé deux contre Lens. Donc c'est pas plus mal. Donc après ce but, on se tend des occasions, mais ça va pas assez vite. Quand on écarte le jeu, ça va pas assez vite. Du coup le score. Enfin, après ça, le score ne bouge pas. Il suffit d'une occasion. Avec Camara, la frappe, première frappe de Camara arrêtée par Paul Nardi. Ça revient sur Guendouzi. Guendouzi le centre, pas qui laisse passer. Camara s'est dévié et ça va au fond défiler. Donc ça fait un partout. Donc là, l'OM reprend espoir. Là, les joueurs se disent qu'ils ont peut-être une chance de gagner. Et bah oui. Parce que en deuxième mi-temps, je sais plus si c'est en deuxième mi-temps, enfin en première mi-temps, ça finit un partout. Je crois, si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe, parce que j'ai un peu oublié, vu que c'était un match incroyable. Donc, je pense que c'était un partout à la mi-temps. Et ouais, c'est ça, un partout à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il leur a fallu un corner pour l'OM, tiré par Payet sur la tête un peu lobée, une tête lobée de Guendouzi, qui a trompé Paul Nardi, donc ça fait 2-1 pour nous. Donc ça c'est très bien, on prend l'avantage. Ça c'est très très bien. Et après, il y a aussi un but de Milik, quelques minutes après. Donc Milik, il marque, enfin il revient, il marque. Donc ça, c'est très bien. En espérant que contre le Classico, il fasse pareil. Donc voilà. Et après, il y a eu un double de Guendouzi. Donc au total, ça fait 4-1. Donc j'ai trouvé pas mal cette équipe. Cette équipe, elle est mieux que l'autre. Là avec Kaminari Thunder,
La minorité, donc ils étaient pas là parce qu'Hunter avait pris un carton rouge à Lille. Et Aminarit est blessé, en espérant que ce soit pas trop grave pour lui. Mais on verra bien. Donc je préfère cette équipe-là, notamment. Je trouve qu'on joue mieux avec cette équipe que l'autre. Avec Conrad à gauche et Lirola à droite. Lirola qui était un peu décevant, je trouve, sur ce match, mais sinon, dans l'ensemble, l'équipe était pas mal. J'ai bien aimé ce match, on les a tués, 4-1. Donc c'est très bon pour nous, on reprend nos esprits après la défaite à Lille 2-0. Donc ça c'est derrière nous, on a su réagir avec cette victoire contre Lorient. Donc voilà, très bon match de l'OM. Donc voilà, salut. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. À vous abonner, activer la cloche, commenter, partager ce mot. Ciao.